La voie pavée qui mène de l'École nationale d'économie appliquée de management ENEAM vers la place Bulgarie est en dégradation. L'affaissement des pavés à différents endroits a créé des trous qui rendent difficile la circulation. Pour les usagers réguliers de cette voie, c'est désormais une habitude. Il faut faire preuve de plus d'attention à certains endroits pour éviter le pire. Les non-habitués, par contre, sont régulièrement pris au piège. Ah, vraiment, la voie est gâtée, ça fait déjà longtemps. Et ça cause vraiment accident. Comme vous avez constaté, beaucoup de gens tombent ici, se blessent. Donc c'est très 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 risqué. Alors ça nous ferait plaisir si l'État vient, on s'écoute de nous pour venir réparer la voie. Sinon, les manières que les gens tombent ici avec l'accident qui se passe ici, ce n'est pas vraiment bon. Sinon, si on laisse la voie comme ça, ça va amener catastrophe pour les passagers. Donc si l'État arrive à venir réparer la voie, ça serait bon pour nous tous. Et à l'équipe, Katiobo, et Tiachoa, et Sofra Dolero Nouveau. Il y a plusieurs voies qui sont dégradées dans le quartier. Il y a également des caniveaux à ciel ouvert par endroits et cela crée des accidents. À la moindre inattention, les usagers se retrouvent dans les trous et se blessent. Nous demandons aux autorités de penser aussi à notre quartier. La voie, c'est une voie très ancienne. C'est une voie très ancienne de plus de 15 ans que la voie là est dégradée. Mais chaque fois que moi je passe sur cette voie, je sens de l'amertume, je sens de la fièvre, je sens du paludisme. Parce que les autorités, chaque fois quand ils passent devant cette voie, bon, je ne sais pas si c'est peut-être un oubli. Vraiment, je demande aux autorités du ministère des Travaux publics de penser à nous. En attendant que ces cris de cœur soient entendus, les populations ont installé des pneus et des branchages comme objets de signalisation.